Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne DP tout simplement. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma toile partenariat avec Meet of Asia. Franchement, quoi dire de cette compagnie? Moi vous connaissez, vous savez très bien que je n'aime pas les diamants carrés et franchement là c'est de la tuerie. Les diamants sont super bien taillés, c'est super joli, c'est super bien. Sont parfaits. Bon, bien sûr, il y a quelques petits écarts, mais ça, c'est normal. Donc, mais par contre, la pose, elle est super, super cool. J'adore. Je pense que là, je vais commander chez eux que du carré. Et ensuite, si j'ai plus de partenariat, ça sera certainement mon vendeur chouchou. Je pense que je me prendrai une toile. Une fois par mois à peu près, parce que là franchement c'est de la balle. Donc je vais prendre mon stylet précision, voilà, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, et franchement c'est de la bonne qualité, il s'emboîte bien. Là j'ai commandé une autre toile, mais bon, je les ai contactés parce que j'ai pris une toile trop petite en taille je pense, et je veux prendre plus grand, et je pense que je partirai sur du carré. Donc je vais peut-être me la laisser l'autre, et je testerai comme ça l'auront en petite taille et le carré en grande taille. Franchement c'est un bonbon à faire, et pourtant les carrés c'est pas mes formes préférées, je préfère le rond normalement, mais là je regrette vraiment pas de l'avoir pris en carré pour tester. Mais là, allez-y, franchement, c'est super. Et vous savez que même que sur ma chaîne YouTube, je dis la vérité. Je dis toujours la vérité. C'est pas bien, je le dis, c'est bien, je le dis. Et là, moi, je déteste vraiment faire du carré, d'habitude. Et bien là, voilà. J'ai adopté le carré de cette compagnie. Vraiment là, je suis super ravi de les avoir connus. Je les ai connus sur un site américain, quoi, une chaîne YouTube américaine, et elle testait. Et vraiment, c'est le top. C'est le top du top. Allez voir, c'est. Meet of Asia, de toute façon je vous mets le lien dans la barre de description, comme d'habitude. Si vous voulez ce tigre là, je vous mets le lien, je vais vous mettre le lien de la toile. Moi je l'ai pris en 40-40, j'aurais dû la prendre en plus grand, mais enfin, bon, les tigres c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de détails. Les tigres c'est des taches, c'est bariolé, voilà, et puis il n'y a que les yeux, c'est tout. Hein. Je veux dire, bon, si vous prenez par exemple une femme ou un perso, quoi, un personnage, ou, là il faut quand même que vous preniez plus grand, surtout s'il y a des détails. Mais autrement, pour un tigre, c'est pas grave, parce qu'un tigre, en soi, il n'y a que des lignes, et puis voilà, quoi, des lignes, les yeux, et voilà. Et tandis que moi là, le peu que je fais, je suis déjà super contente. Bon, là j'ai essayé aussi en hauteur, comme ça. J'ai mis en hauteur parce que quand je mets trop près, on voit plus la lampe que la toile. Là on voit bien quand même. Bon, il faut vraiment tendre le bras pour aller en haut, mais c'est pas grave. Hein. Mais je me suis installé de façon à ce que vous voyez mieux depuis en haut. Là vous voyez mieux. Bon, j'ai mis ma lampe et ma tablette lumineuse à 1, comme ça en plus j'y vois, et vous y voyez aussi, et vous entendez aussi de temps en temps, ça fait clac quand ça rentre, donc voilà,
Je voulais vous faire un retour favorable de cette compagnie, franchement. Moi, je sais que là, c'est bon, j'adhère. J'en ai fait hier soir en live sur TikTok. Franchement, l'habitude, je m'énerve quand c'est pas joli et tout ça. Là, on dirait des plaques de chocolat que vous posez. C'est franchement super. Il faut que je mette du washi tape là, parce que je suis en train de m'épiler les bras. Là, vous avez la marque en bas. Parce qu'ils ont un Facebook, si vous voulez aller voir aussi. Ils ont un groupe Facebook. Donc moi, je suis inscrite dessus, bien évidemment. Puisque bon, quand même, quand vous avez des toiles à tester, le minimum qu'on peut faire, c'est quand même aller s'inscrire sur leur site. Hein. Sur leur Facebook, hein. Donc moi après celle-là, après la vidéo, je vais leur envoyer et je posterai la photo sur le groupe Facebook Meet of Asia. Voilà. Donc là, je vais changer de couleur parce que comme ça, vous verrez plusieurs couleurs. Je vais prendre le 4, c'est quoi comme couleur? Du gris clair. Oui. Donc voilà, je change régulièrement. Ouais, c'est du vert clair. Je vais changer régulièrement de couleur pour que vous voyez bien. Après, j'éteindrai la lampe lumineuse et je vous montrerai sans défaire tout parce que bon, je peux pas m'amuser à tout déplacer à chaque fois. Mais après, bon, je peux pas vous dire que vous pouvez me faire confiance. Hein. Vous savez très bien que moi, sur ma chaîne YouTube, je raconte pas de... Je mens pas. Hein. Vous m'entendez pas m'énerver déjà, donc si ça allait pas, on m'entendrait. Mais franchement, cette compagnie, Ah, je leur donne 10 sur 10. Hein. Déjà, ils sont très rapides. Ils sont très rapides à répondre aux messages. J'ai jamais vu une compagnie répondre aussi vite aux messages que vous leur envoyez. Moi, je passe par Messenger. Et franchement... la nuit, là je leur ai envoyé un message, dans la nuit, là je vais avoir une réponse aussitôt. Hein. Aussi sec. Hein. Ils n'attendent pas, ils mettent pas du temps pour répondre. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir, ça cale, ça se cale, ça fait du bruit quand ça se cale. Les couleurs sont top. Après c'est un tigre, hein, donc on peut pas avoir 10 000 couleurs, hein, mais franchement, là, il va falloir que j'arrête de m'épiler les poils. Mais je ne peux pas couper parce qu'ici il y a la marque. D'habitude je découpe ma toile de contour et puis comme ça je suis tranquille, ça colle pas, mais là je veux pas parce que je veux pas cacher la marque. Voilà les 4. De toute façon, je vais pas faire une vidéo qui va durer 100 ans. Hein. Je voulais juste vous montrer le retour. De toute façon, vous verrez pas tout le temps, mais l'évolution de ma toile. Parce que j'ai fait l'unboxing après, ils m'ont proposé de m'en envoyer une autre. Donc, mais j'aime bien quand même, moi, quand j'ai un partenariat, de faire le unboxing et après de faire les avancées en vidéo. Au moins les gens se rendent compte de l'avancée de ma toile et voilà, ils se rendent compte de l'évolution de la toile et après je la montre une fois finie. Donc là de toute façon elle va être mise sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, Insta, YouTube est normal la vidéo. Et voilà. Et après je ferai le retour. J'en ferai le retour. Là, vous avez entendu le clac. Hein. Ça se met bien. Bon, après, une fois fini, je me passerai la règle pour bien les mettre droit. Bien, voilà. Après, ce que je fais à chaque fois, même pour les ronds, je fais ça, je passe ma raclette et puis je mets droit
Mes diamants. Ah, vous voyez, il se cale bien, quoi. Il se cale super bien. Moi, je suis super contente, franchement, là. Je crois qu'au niveau partenariat, c'est vraiment le seul que vraiment j'adore. Hein. Et pourtant, j'en ai testé, mais là. Voilà, ça fait 10 minutes, donc je vais arrêter parce que quand même j'ai des choses à faire. Et là, je vais vous montrer. Je vais éteindre ma lampe. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est du bonbon. Je vais enlever ça. Je vais remettre mes diamants dedans. Tac, tac, tac. Il me reste un diamant coincé, donc je vais l'enlever. Voilà. Donc voilà. Ou alors je vais vous la montrer. Je vais essayer de la caler. Je vais faire ça. Tac. Je vais soulever ma truc. Et je vais vous essayer de vous la montrer de plus près. Comme ça, vous verrez. Attendez, que je regarde bien si c'est calé. Voilà. Hop, je pense que vous la voyez. Voilà. Voilà les diamants, comment ils donnent. Moi, je trouve ça super. Voilà, donc, allez-y, n'hésitez pas, surtout, testez. Moi, en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Moi, j'aime pas les carrés, d'habitude. Et là, franchement, moi, là, la pose est nickel. Et ça se cale super bien. Moi, j'adore. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification et surtout n'oubliez pas, restez connectés. Bye bye!